chez Le Temps Présent, trois ouvrages qui nous parlent du temps. Changer votre futur par les ouvertures temporelles, le double, comment ça marche, et la clé du futur. Alors, ma première question, ce serait de comprendre un peu votre cheminement. Comment un physicien, docteur en mécanique des fluides, en vient à s'intéresser à la physique quantique et au concept du temps? C'est une longue démarche. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je pensais écrire quelque chose qui serait vaguement scientifique, qui était plutôt philosophique. Et tout d'un coup, je m'aperçois que je suis en train d'écrire quelque chose de purement scientifique. Car je me suis guidé par l'intuition. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que si je prolongeais cette intuition, j'écrivais des choses assez hallucinantes qui rejoignaient la science que je connaissais. Alors j'ai changé de cap. Au lieu de penser que j'écrivais quelque chose d'un peu, comment dire, romanesque, si on peut dire comme ça, j'écrivais quelque chose de très sérieux. Alors je pense que c'est dû à toute mon, comment dire, ma préparation depuis le plus jeune âge jusqu'à cette date-là, où tout ce qui avait été versé en moi au niveau connaissance trouvait une espèce de synthèse, mais une synthèse fulgurante, hein, c'est pas... Oh, bon, on pourrait appeler ça un petit peu, comment dire, des intuitions phénoménales. Alors, puisqu'on a parlé de science, pour la science classique, habituelle, le temps, c'est quelque chose de continu. Or, vous avez découvert, vous l'avez écrit, vous avez fait des publications scientifiques qui tendraient à prouver que le temps n'est pas continu. Comment, puisque vous parlez d'ouverture temporelle dans ce temps que l'on croit continu, comment détecter ces ouvertures temporelles? Alors, il y a deux façons de les détecter. D'abord, de penser qu'elles existent. Donc dans des temps imperceptibles, la mécanique de l'infiniment petit nous prouve qu'il y a des temps imperceptibles, bon, que l'énergie n'arrive que par petits bouts. Mais d'un autre côté, il faut savoir une chose, c'est que si j'ai des temps différents, il faut bien que je puisse communiquer entre ces temps différents. La science actuelle parle d'intrication qui ne signifie pas grand-chose, et moi, je pars d'une histoire de vitesse d'information qui m'a fait découvrir des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Ça y est, ça commence à être acceptable, même accepté par pas mal de scientifiques, mais ça posait problème quand j'ai découvert ça il y a 20 ans. Est-ce que Suarez l'a démontré ou il ne voulait pas le démontrer? Non, c'est d'abord Alain Aspect qui, voulant démontrer qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, par son expérience, a trouvé qu'on allait beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Donc il a révisé sa copie, car c'est un homme extrêmement intelligent et, comment dire... Qui sait s'adapter. Qui s'adapte très bien. Et il est devenu un des pontes de ces histoires de vitesse... Supraluminique. Qu'on appelle maintenant supraluminique, parce que superlumineuse, ça a tellement été critiqué qu'on a supprimé le mot pour mettre supraluminique. D'accord. Et ce n'est pas encore totalement admis par la communauté scientifique. Ce n'est admis que par vraiment quelques scientifiques pointus. Mais... Si vous avez deux particules qui passent une information, on dit qu'elles sont intriquées. Donc ça signifie que instantanément, elles reçoivent les mêmes informations en même temps. Ben réfléchissons, soyons logiques. Qui donne l'information? La question qu'on peut se poser quand on regarde vos conférences, c'est temps perceptible, temps imperceptible. Comment passe-t-on d'un temps à l'autre? Ah, ça c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Mais imaginez que l'espace sert au temps. De même que le temps sert à l'espace. C'est le mouvement de l'espace qui définit le temps. Et le temps lui-même est un espace parcouru. Est-ce qu'on est chez Einstein ou est-ce qu'on est chez Langevin? Les deux. Chez les deux. Non, on ne peut pas dire le... C'est-à-dire que Einstein n'a pas su voir... l'application qu'il y avait dans notre vie quotidienne de la relativité du temps.
Poincaré l'avait vu. Et Poincaré, pour la petite histoire, c'est quand même curieux, c'était un calculateur phénoménal, digne d'un cirque. Parce qu'il écrivait une opération, et avant d'avoir fini, il avait le résultat. Alors il s'est dit, il y a deux Poincaré en moi. Il y en a un qui pose l'opération, et l'autre qui a le résultat. Donc il avait déjà défini une différenciation du temps. Einstein a repris ça. Donc transition, d'où la conception du double. Si nous avons un double imperceptible qui posséderait les réponses à nos questions, Poincaré, comment établir une relation avec lui ? Mais c'est-à-dire, il faut aller plus loin que ça. Si on est capable d'avoir un double qui répond à nos questions, on peut se dire que nous sommes le double de quelqu'un et que nous répondons à ses questions. Il faut pas s'arrêter à un seul dédoublement. Il y a un dédoublement en chaîne. Ça voudrait dire qu'on serait coincé entre un temps qui nous pose des questions et un temps qui fabrique nos réponses. Et que par une information qui passerait dans ces trois temps à la fois, nous, au centre, nous aurions des réponses à des questions que nous n'avons même pas eu le temps de nous poser. C'est assez prodigieux. Ah, c'est la définition de l'intuition, de l'anticipation, de la prémonition, l'instinct. C'est la seule façon de comprendre cela. Dans vos ouvrages, vous parlez historiquement de Platon, qui parlait déjà des trois temps, et repris dans la Bible, je cite, « celui qui était, celui qui est et celui qui sera ». D'où vient cet enseignement ? Oh là, alors là, il vient des Sumériens, il vient des... J'ai fait du grec, ça m'a permis de fouiller dans l'Antiquité grecque et de retrouver des choses ahurissantes. Concernant ce dédoublement du temps, ils connaissaient ça parfaitement. L'alphabet grec lui-même est dans l'accélération du temps avec les 27 points de passage obligés des particules qui donnent les 27 lettres. J'ai retrouvé les trois lettres anciennes à partir de la théorie du dédoublement parce que l'alphabet grec actuel n'en a que 24. Alors il me fallait 27. J'ai fouillé, j'ai trouvé les trois lettres qui me manquaient, qui ne sont plus utilisées. Oula, alors je me suis dit quand même le grec. Il y a quelque chose derrière, là. Faut aller fouiller tout ça. Selon Einstein, l'énergie est une masse. Si, selon Garnier-Mallet, la pensée est énergie, quand on pense, que devient la masse ? Et si on perd de la masse, il y a une usure, il y a un vieillissement. Est-ce qu'on est dans une perte ou dans un gain d'énergie dans le temps ? Voilà une très bonne question. Parce qu'en effet, il y a même quelqu'un qui m'avait dit « Mais vous rendez compte, moi je pense et je... c'est pas un régime amaigrissant du tout. Je ne perds pas de masse. » Comme vous êtes dans trois temps qui sont vraiment imbriqués les uns dans les autres, dès lors que vous pensez quelque chose, il y a déjà la réponse est déjà faite avant même que vous ayez fini de vous poser la question. Ce qui fait que, en fait, vous perdez de l'énergie et en même temps vous en récupérez. Et l'équilibre est bien si vous avez toujours les bonnes réponses aux bonnes questions. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit déséquilibre. Et ce petit déséquilibre-là, qui n'est pas sensible dans notre temps à nous, fait que vous avez un vieillissement inconsidéré de toutes vos cellules, qui ne sont pas remises à neuf à chaque instant. Car le principe, c'est l'immortalité. On sait bien qu'on n'est pas immortel.